Je ne veux pas de Tony. Ferme la porte, j'espère qu'on t'a pas suivi. Il aurait pu venir en personne au lieu de m'envoyer son garde du corps. Il est trop occupé. Bon, j'espère que t'as amené le fric. Bah bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et tu l'as caché où? Dans ton cul. Ah ça c'est fin. Ouh, je le sens pas, lui. Ouais bah reste tranquille, toi. Hein. Pourquoi t'es pas beau? C'est ça. Continue à me chauffer les deux pétasses, vous allez voir si je m'énerve. Écoute, déjà on avait dit qu'on ferait le business qu'avec Tony. Toi tu débarques, on ne connaît pas, t'as pas d'argent. Bon maintenant on arrête de rigoler, vous allez me filer la drogue ou sinon moi je vous découpe au rasoir. Au rasoir électrique? Bon, c'est vous qui l'aurez voulu, je sens que ça va finir en touche cette histoire. Tu peux pas te sauver par là, c'est la cuisine. Hein, tu m'as poussé là. T'as de la chance que tu cours vite parce que si je te chope, tu vas voir. Au secours! Mais je t'ai déjà dit que tu peux pas te barrer par là, c'est la cuisine. Oups! Oh, bah tu m'as mis un coup de boule! Eh, mais tu me connais pas, mais ça va être un massacre, un vrai cauchemar. Moi, je vais te dévisser la tête et je vais te chier dans le cou.